Yo, tout le monde, on se retrouve, c'est John Football, il revient pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Marseille. Vous êtes Marseillais là? Oui. Oh, putain, c'est attention, on va jouer contre le Paris Saint-Germain. Une équipe très dangereuse, mais une équipe que je suis content. Vous savez pourquoi les Marseillais, s'il y a des Marseillais ici? Parce qu'il y a beaucoup d'accent au Paris Saint-Germain. Il y a Cavani, il y a Traxler, il y a Neymar. Il y a trois joueurs très absents qui sont pas là. Alors s'ils sont absents, je les mets pas dans la gestion d'équipe. Voilà, il n'y a pas du tout. Voilà, ils sont pas là. Cavani, Neymar, ils sont là. Mais après, le problème qu'il y a, c'est Balotelli est absent aussi. Mais ils disent qu'il est peut-être dans les remplaçants. Il viendra le groupe, dans le groupe plus tard. Je ne sais pas. J'ai mis dans les remplaçants. Je sais que les trois Parisiens, c'était forfait. C'était sûr. Voilà. Moi, n'hésitez pas, avant que le match commence, n'hésitez pas à liker un maximum de likes dans cette vidéo. Excusez-moi. N'hésitez pas à liker un maximum de likes dans cette vidéo avant le match commence. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Ça me ferait tellement plaisir. Vous serez informé de mes toutes prochaines vidéos de FIFA 19. Voilà, dites-moi encore si vous voulez des vidéos de Call of Duty. Voilà, ça me ferait tellement plaisir. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, pour moi, on est parti pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Je vous montre pas la gestion d'équipe, je vous montre comment en réel dans le match. Ça me ferait plaisir. Et let's go pour ce classico de malade. Moi, je suis Marseillais. J'espère que Marseille gagne. Et j'espère que Marseille va tout tuer, va tout niquer. C'est parti. Voilà, le petit entraînement, on va peut-être le faire. Chant. Bien, si tu peux continuer comme ça, c'est bien. Un petit dernier. Voilà, on est parti pour ce match. Oh là. Maintenant, on est au Parc des Princes. Ça va être difficile, ça va être très très chaud. Ça va être Salut bouillant. à tous, nous allons suivre aujourd'hui le classico Oui, entre le le Paris classico de Saint-Germain et malade. l'Olympique de Marseille, ici au Parc des Princes, classico à la française donc, hein. Oui, c'est Ça va être devenu chaud ce match, le plus mais grand voilà. match On peut le du faire, on championnat peut le faire, y a français, pas de qui fait souci. le plus de bruit et plus d'audience. C'est pas parce qu'on est à Paris qu'on peut pas faire. Voilà. Défense parisienne intraitable en championnat cette saison, tout simplement la meilleure. L'entraîneur Ça, savait c'est que la la meilleure défense défense solide en pouvait permettre à réalité. cette équipe de jouer plus libérée en attaque. Ah, mais j'ai mis Areola. La place de Buffon. C'est pas grave. Bon, après moi, Une je dirais composition Areola. de Attention, profil la offensif composition du Paris qui semble Saint-Germain, les constante, remplaçants Mbappé Diaby, Kurzawa Kurzawa, arrive Nzonki, à Nkunku, respirer dans Meunier, ce Kéré et vestiaire. Ouais, Buffon. c'est dit, c'est Et la plus composition facile de Paris d'interpréter Saint-Germain, ailleurs, c'est mais Mbappé, on peut Choupo-Moting, toujours Paredes, Di mieux Maria, faire si Verratti, on a un Marquinhos, joueur comme Rabiot Bernat, ou Kimpembe, Silva, Alves et Areola. Voilà, la composition du Paris Saint-Germain qui va jouer contre l'Olympique de Marseille. Les Marseillais, ils sont là. On est là, nous. Non, pas vous. On est où, nous? On n'est pas là-haut, nous? Je sais pas. Voici la La cause composition de de l'équipe l'Olympique de de Marseille, les remplaçants, Marseille. c'est Ndji, Balotelli, Radonjic, On Strootman, associe Camara, toute Saka, force Ipele. Et la équipe cause en du 4-4-2. monde C'est devenu de leur corps Marseille, qui les c'est Germain, équipe Payet, débute en Compos, 4-4-2. Thauvin, Sanson, Lopez, La fine du Sarrami, match, on Gustavo, revient sur Amavi et l'ancien Mandanda. schéma. Alors vous disiez, ouais, il y a Payet et tout, Thauvin en bas. C'est une fausse. Voilà, je regardais. Je mettais Star. Ah non, c'est pas là. Là. Voilà, vous avez vu, c'est pas la même gestion d'équipe. Et ça sera la gestion d'équipe, celle-là. Voilà, ils se mettent en rond. Voilà, ils vont parler, ils vont dire, allez les gars, il faut le faire, il faut pousser, il faut gagner. Une petite victoire pour entrer à Marseille. Ça ferait plaisir. Voilà, comme si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et si vous venez d'être abonné à ma chaîne, moi je joue pas les matchs, parce que si je joue les matchs, c'est trop facile pour moi. On saura qui va gagner. Ça serait même un petit suspense à la fin du match. Ça ferait plaisir. Voilà. Moi je commente, je suis un commentateur. Et je vous dis, Allez, l'affiche let's go! tant attendue qui commence à l'instant. Depuis le temps que les Marseillais et les Parisiens veulent en découdre, et ben cette fois c'est parti. Bah, Choupo-Moting qui envoie à Kylian Mbappé. Mbappé. Après Mbappé est toujours là, il est un peu Allez, dangereux. Balotelli pour le La centre. tête! Oh Arrêt là de là! Le premier Maria. arrêt de Mandanda. Bien la dégager. Ouh là là, qu'est-ce que Parfaitement ça chauffe vu. déjà dans les buts des Marseillais. Germain.
Oh, ça peut passer en profondeur avec Dimitri Payet. Dimitri Payet qui peut accélérer. Mais l'élan. Germain. Payet. La frappe de Dimitri Payet. Oh là 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 là. La première frappe de Dimitri Payet. Qu'est-ce que c'est bouillant. Voilà. Et c'est le corner pour les Marseillais. Avec Florian Thauvin. La tête. Le deuxième corner pour les Marseillais. Est-ce que les Marseillais sont chauds? Deuxième corner pour Florent Thauvin. La tête. Oh la Reda Réola. Et troisième corner. Oh les Marseillais sont ici. Marseille. Marseille. Je suis avec vous. Avec Bounassar. Petit mauvais contrôle de Bounassar. Gustavo. Dimitri Payet. Avec Bounassar. C'est que les Marseillais sont chauds. Ah ils ont pas Neymar, ils ont pas Cavani, ils arrivent plus là, hein. Ah, le repris de Dariola avec Bernat Choupo-Moting Marquinhos Paredes Mbappé Marquinhos. Allez les Marseillais, faut reprendre le ballon avec Amavi, très bien joué Rami. Voilà, ça joue propre, ça ce qu'on veut. Maxime Lopez Jordan Amavi. Compos, voilà qui reprend avec Valérie Germain, avec Payet, oh là là. Ah Payet, petite erreur, c'est par Dimitri Payet. Paredes. Allez le ballon qui va. Maxime Lopez. On va s'en profondeur pour un Compos. Un ami qui peut passer en Compos. Un Compos qui peut peut-être centrer. Mais non, la mauvaise passe de Compos. Il faut pas rater ça, les Marseillais, il faut pas rater. On va peut-être assister à une contre-attaque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la rivalité entre l'OM et le PSG sans tomber dans les vieux clichés? C'est simple, hein, il suffit de pas en parler des clichés. Il y en a qui te vendent un classico à la française. Voilà, avec Thauvin, il est hors jeu. Qu'est-ce que tu parles, monsieur l'arbitre? Qui ne sert à rien. Au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors jeu de 15 mètres non plus. Kipembe. Ah, il est à l'interception. Ma vie. Payet, Diamin, Sanson. Thauvin. Florian Thauvin. Bounassar, Rami, ça joue très bien le pour les Marseillais. Oh là, Rami, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, faut sortir de là. Avec Maxime Lopez. Luis Gustavo. Payet. Thauvin, Germain. Germain. Oh là là, avec Thauvin, ça joue très bien pour les Marseillais. Bounassar qui peut centrer la tête de Valère Germain. Non. Bien donné ce ballon. C'est pas terminé, Dimitri Payet. Bounassar. Germain qui peut. Non, il peut pas s'en bas, la main. Il l'a pas vu. Verratti. Verratti. Marquinhos. Paredes. André Di Maria. Di Maria. Gustavo. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oh, attention, s'il perd ce ballon. Je sais pas ce qu'ils ont vu les Marseillais, mais il faut qu'ils se comprennent là, les amis. Nous on veut des buts, les abonnés veulent des buts, ils veulent des magnifiques actions, pas de la merde comme vous faites. Il y a quand même déjà un très beau pas des mauvaises passes. Si, si Paris marque, c'est pas bien aussi. Hein. Mbappé. Voilà, c'est bien joué. Voilà, le dégagement, très très bien joué. C'est ça ce qu'on veut. 0-0, les Parisiens vont devoir en faire plus. Hein, s'ils veulent ouvrir la marque dans ce match. Choupo-Moting. Ça peut passer à Paredes, Paredes qui frappe. Non, c'est le but. Oh, c'est le but pour le Paris Saint-Germain. 1-0. Je suis dégoûté. Maintenant, le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre vraiment à dire. Oh, je suis dégoûté. But pour le Paris Saint-Germain. Ah, but pour Paredes. Mais oui, il est tout seul. Il a laissé aucune chance, il regarde bien. Voilà. Et c'est le 1-0. But pour Paredes. Oh, je suis dégoûté les amis. Maxime Lopez. Avec Lopez. Payet. Lopez qui passe en profondeur avec Thauvin. Allez Marseille, c'est pas fini. Faut pas descendre. Pas descendre les bras. Thauvin. Bounassar le centre. Oh non. Il était pas dégueulasse le centre. Vraiment il était pas dégueulasse.
le dégagement de Areola. Allez, Marseillais, ils peuvent regagner. Bernat, Marquinhos. Dani Alves. Di Maria sur le côté. Verratti. Paredes. Mbappé. Mbappé. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Angel Di Maria qui centre la tête. Ah, ils étaient sous pression. Ils dégagent. Avec Bounaza qui passe à Thauvin. Thauvin qui peut passer à Germain. 2 minutes de temps additionnel. En bas, en bas, en bas. Voilà. Oui, avec Ocampos qui peut frapper. Oh, la frappe d'Ocampos. Mais qui se parle, toi? Putain, va chier un coup de me casser les couilles, t'es hors-jeu. Toi, là, là. Ah, c'est le hors-jeu. Donc, Ocampos, dans 5 secondes, c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Dans ce match, 1-0 pour le passage à main. Voilà, je suis dégoûté. Mais le match n'est pas terminé. Vous avez vu, on avait une action de Ocampos. Malheureusement, le petit casse les couilles avec ses hors-jeux. Voilà. Je sais pas ce qu'il va dire Rudy Garcia, mais j'espère qu'il va réveiller ses joueurs pour que on ait des meilleures actions et des meilleurs tirs et peut-être des buts. Et après peut-être Tourelle, il va dire, l'entraîneur du Paris Saint-Germain va dire peut-être garder ce score ou mettre un 2-0. J'espère pas. On a deux tirs et ouais, deux tirs chacun et deux tirs pour le Paris Saint-Germain et un tir pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Meilleur du match, je suis pas le toi, c'est Choupo-Moting. Voilà. J'espère qu'ils vont comprendre les Marseillais. Après, j'espère qu'ils gagnent. Moi, je suis derrière eux. J'espère vraiment une petite victoire pour les Marseillais ou une petite égalisation. Après une égalisation, je dirais pas non. Mais voilà. Ou l'arbitre qui siffle la deuxième mi-temps. Et je vous dis let's go pour la deuxième mi-temps entre ce Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. J'espère que les Marseillais vont reprendre. C'est ça ce que j'espère. Et je dis allez l'OM. Ici c'est l'OM. Même si à Paris je m'en tape les couilles. Mais allez l'OM. Dimitri Payet. Avec Dimitri Payet. Avec Germain. Allez. Oui oui. On compose. Germain. On compose qui cherche des solutions. Mais c'est quoi la passe? On compose. Mais qu'est-ce que tu me rates? Elle me fait pas ça ce soir. Silva. Peut-être ton père dans FIFA, mais soit je gagne en réalité. Ah, vous gagnez, je suis comme un fou. La passe de Dani Alves. Gustavo. Sar. Avec Lopez. Ça peut passer en profondeur pour un compos. Pour Florent Thauvin. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Florent Thauvin? Il ne centre pas. Ah, ça repasse en défense, ça repart en défense. Là-haut, voilà, avec Sanson. Sanson. Il y a personne sur les côtés. L'OM on compose. Tête la tête. Non, c'est trop. Il n'est pas du côté du gardien. Il est un peu loin du gardien pour mettre la tête. Il y a un changement, je sais pas pour qui. Je vous dis, moi je fais pas les changements, je suis juste commentateur. En bas, en bas, en bas. Putain, mais regarde, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas moi qui joue. Oh la vache. Allez, les deux ont c'est pour le Paris Saint-Germain, la sortie de Julian Bernat. Ouh, et la rentrée de Kurzawa, la sortie de Valéajamin, et la rentrée de Balotelli. Bon, bah j'ai fait rentrer Balotelli. Hein. Ils m'ont dit qu'il était dans le groupe. Il venait plus tard. Bon, bah je l'ai mis plus tard. Hein. Voilà. Bon après les trois parisiens me disent qu'ils étaient absents parce qu'ils étaient blessés. Ah, voilà, bon, après j'écoute ce que je dis. Ce qu'on dit. On va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. T'es une belle phrase de Balotelli. C'est sympa. Verratti. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Et Maria. L'OM qui récupère. Avec Bounassar. Bounassar. Pour Maxime Lopez.
C'est quoi ça, Maxime, Maxime Lopez, qu'est-ce que tu fais? Ah, mes abonnés ils veulent des buts, des tirs, mais pas là. Pas ce que tu fais, frérot. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Oh, ça joue, c'est très bien joué. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Il peut centrer Bounassar. Le centre, pas assez fort le centre. Pas assez haut. C'est dégagé par Fasnel Kimpembe. Adil Rami. Luis Gustavo. Sanson. Ça c'est trop compliqué, hein. Paredes. Elle c'est l'heure je pourrais Mbappé. Allez Marcy, il faut reprendre. La sortie de Maxime Lopez, la rentrée de je ne sais pas de qui. Strootman je pense. La sortie de Daniel Alves, la rentrée de Kerrer, il vient de rentrer Daniel Alves. Ah oui, la rentrée de Strootman, j'avais raison. Et quand on connaît bien les Marseillais, on sait qui c'est. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Thiago Silva. Allez, c'est pas fini. Marco Verratti, Mbappé. Angel Di Maria. Interception. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'ils font les Marseillais? Ouais, première mi-temps, ils jouaient. Puis on avait quand même des actions. Deuxième mi-temps, on n'a plus trop rien. On s'ennuie un peu devant le match. Thiago Silva. Allez, les buts des tirs pour pas que les abonnés s'ennuient devant la vidéo. La victoire face à l'OM aujourd'hui. Ouais, même si tout n'est pas encore tout à fait fini, quand tu regardes la pendule, tu te dis que. Bah, tu dis quoi? C'est bien parti pour Paris. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Avec Sanson, la passe profondeur pour Onkompos, joue intelligemment. Tu vois, ça c'est pas joué intelligemment, tu vois qu'il y a quelqu'un. On va. Waouh, truc de fou. Ça joue pas intelligemment dans FIFA. Oui, ça joue bien. Balotelli la frappe. On a une première fois de Balotelli. Ok, maintenant j'en veux plus. J'en vais peut-être la mettre au fond. Oui, Balotelli. La frappe. Oh, le but. Oh, le but pour le Florian Thauvin. L'égalisation de Florian Thauvin. L'égalisation, les frérots. C'est quoi ce but de Florian Thauvin? Il est exceptionnel. Ce but magnifique. La mauvaise passe de Kimpembe. Balotelli, le passeur là. Roulé de Florian Thauvin. Exceptionnel, les amis. Exceptionnel les frérots. 1-1. But de Florian Thauvin. Florian Thauvin. Florian Thauvin. Et l'égalisation de Florian Thauvin. Mais quel but, mais quel. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh, le but, mais on n'a pas eu un but de merde. On a eu un magnifique but. Là, mes abonnés sont vite réveillés de leur lit là. Après, c'est pas terminé. Lorient Thauvin. Voilà, ça joue bien. En haut. Mais non, avance un peu. Mais frère, la mauvaise passe. C'est peut-être une balle de but aussi, on sait pas. Kylian Mbappé. Ah bien joué, ça nous sur l'orbite. Qu'est-ce que tu parles? La sortie de Marquinhos, c'est la rentrée de Nkunku. C'est Marquinhos qui cède sa place à Christopher Nkunku, milieu de terrain solide. Ouf, oh là là, bien joué Mandanda, très très bien joué. Le gardien décisif hein, qui évite certainement la défaite à son équipe sur cet arrêt. Oui, si ça se termine par un nul, on pourra dire que c'est un salut. Ouais, bien joué, t'es quand même mis des têtes Balotelli. Easy bis présent. Au combo, c'est une fée. Eh, mais les passes qui ratent. Ah, je pense que c'est une égalité. Oui. Oh, ça va, c'est une égalisation. On n'a pas perdu ce match, les Marseillais. On a fait une égalisation, mais après, j'espère que ce soir vous gagnez. Voilà, ça ferait une petite victoire pour les Marseillais ce soir. On a quand même un magnifique match. Pas trop de tirs, on a quand même eu un beau but de monsieur Florian Thauvin. Voilà. On finit sur un match. Pour moi, c'est la fin de la vidéo. Voilà, dites-moi encore dans les commentaires si vous avez bien aimé ce match. Là, je vous dirai à la fin. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker un maximum de likes dans cette vidéo. Je veux 5 likes dans cette vidéo. Voilà, petit à petit, 5 likes. Ça me ferait tellement plaisir. Chaque fois que vous regardez, chaque fois que vous mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Pour être informé de toutes mes prochaines vidéos de fin de top 1 ou de game avec des potes ou de FIFA, de vidéos. De match
n'hésitez pas à commenter ce match, ça me ferait tellement plaisir. Si vous avez bien aimé, si vous êtes Marseille, si vous êtes Marseillais ou Parisien, voilà. Et je vous dis, c'est la fin de la vidéo, et je vous dis, ciao ciao, de gros bisous à vous. Allez l'OM ce soir, je suis derrière vous. Allez l'OM!